Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance un petit peu différente, puisqu'aujourd'hui je vais vous emmener dans un voyage. Dans ce nouveau thème que vous avez été nombreux à me demander, nous allons découvrir un message de notre autre. Nous allons rencontrer l'âme, l'énergie d'une de nos âmes sœurs ou jumelles ou de notre moitié. De celui ou celle qui vibre pour nous, qui est faite pour nous. Et ce voyage, nous allons le vivre lors d'un rituel chamanique puissant. J'espère que vous êtes prêtes, que vous êtes prêts, parce que je vous emmène quelque part, au cœur de la forêt amazonienne, dans un autre temps. Nous allons rencontrer le peuple qui va vous guider. À la rencontre de votre double intérieur. Si vous êtes prêt, installez-vous confortablement. Préparez le décor et l'ambiance de votre pièce pour ne pas être dérangé et pour harmoniser les énergies autour de vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Si vous désirez prendre le temps de mettre des bougies, de l'encens, tout ce qui vous fera du bien. Choisissez l'espace de cette séance avec attention, car l'environnement joue un rôle très important sur notre corps. Une fois que vous êtes prête, que vous êtes prêt, installez-vous très confortablement. Mettez votre corps dans cette position. Cette position si confortable qu'elle vous permet de rentrer à l'intérieur de vous, de prendre un temps d'exploration. Et je vais vous guider durant toute cette séance, cette cérémonie particulière. S'il y a quoi que ce soit qui ne résonne pas, que vous ne voyez ou ne ressentez pas, laissez votre inconscient vous amener autre chose, transformer l'information et créer uniquement ce que vous avez besoin de voir, d'entendre ou de sentir aujourd'hui. C'est parti. Respirez profondément tandis que nous rentrons à l'intérieur de vous-même. Retrouvez cet état que vous connaissez si bien et écoutez au loin ces bruits qui vous appellent. Vous entendez le son de ma voix et des bruits qui résonnent au loin, comme s'ils venaient d'un autre lieu, d'un autre espace et d'un autre temps. Plus vous entendez ces bruits, plus vous rentrez à l'intérieur de vous et vous lâchez tout ce qu'il y a à laisser, tout ce qui n'est pas utile pour ce voyage. Vous pouvez vous concentrer sur votre cœur en posant la main sur celui-ci, la main de votre choix. Comme pour lui demander l'autorisation d'établir un contact, de vivre un instant, un espace protégé qui vous permettra de recevoir un message qui viendrait des profondeurs de votre âme pour pouvoir explorer les autres âmes qui vous ressemblent et peut-être même celle d'une personne très importante pour vous. En posant la main sur cette poitrine, vous autorisez ce voyage porté par le cœur et vous demandez le contact avec une énergie d'amour inconditionnel. Vous demandez à recevoir un message pour vous permettre
de grandir, de vibrer et de continuer votre chemin en toute confiance. Et lorsque vous relâcherez cette main, vos bras vont se détendre de plus en plus et vous allez essayer de vous visualiser au-dessus de vous-même. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez choisir de fermer les yeux, de laisser les paupières devenir très lourdes et d'imaginer que derrière cet écran intérieur, vous venez flotter au-dessus de votre corps. Et il y a ces bruits qui résonnent au fond, qui vous appellent de plus en plus. Et je ne sais pas comment vous allez faire, mais à votre rythme et de la meilleure façon possible pour vous, vous allez vous élever, monter ou descendre à la terre comme en étant aspiré pour rejoindre cette jungle en plein cœur du peuple Itaya. Regardez autour de vous le décor qui change, les sons qui augmentent. Vous êtes dans ce lieu très spécial, prêt à vivre cette cérémonie très particulière. Une cérémonie spécialement conçue pour vous aujourd'hui et protégée par ce peuple sacré. Regardez ce qu'il y a autour de vous. Certains pourront voir des personnes, des animaux, ou peut-être même cette jungle ou cet espace luxuriant autour de vous. Peut-être que vous ressentez autre chose, des énergies particulières, des sensations très spéciales. Laissez-vous porter et regardez où est-ce que vous êtes, là, au centre de cette cérémonie. Installé confortablement, prêt à être enveloppé par ce peuple sacré pour vous guider à la reconnexion de votre autre, à la reconnexion de votre cœur. Laissez venir les sons. Visitez l'espace autour de vous et laissez-vous porter par la cérémonie qui va commencer. Il y a un ou une grande sage qui arrive, là où le chef du village, le chef des cérémonies et du passage. Cette personne, cette énergie très forte arrive devant vous. Et je ne sais pas comment est-ce qu'elle est habillée, ce qu'elle porte, ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier sur elle? Mais elle est là devant vous. Et elle fait quelque chose de très spécial pour vous protéger. Elle vous prépare. Elle prépare votre corps à laisser résonner votre âme. Plus vous entendez ces sons, plus vous rentrez à l'intérieur de vous. Plus vous vous relâchez en toute confiance. Vous êtes protégé par ce peuple sacré. Il y a du monde autour de vous. Ils sont en cercle. Ils protègent ce feu et cette cérémonie. Laissez-vous porter, laissez venir à vous les images. La cérémonie commence et vous n'avez rien à faire. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer et vous vous laissez porter de plus en plus. Sans rien attendre. Vivez ce voyage.
Vivez ce mouvement autour de vous. Laissez l'énergie circuler. Puis, le maître de la cérémonie ou la maîtresse de cérémonie va appeler, à travers les dieux et les esprits des animaux, de la nature et du vivant. Elle appelle le cœur et l'âme de votre autre. À travers un rituel sacré, elle reçoit une feuille et un stylo. Puis, connectée à vous, elle note les messages sur cette feuille très spéciale que vous ne pouvez pas voir pour le moment. Ce guide spirituel est en transe, il est connecté à votre cœur et à l'autre moitié. Il note, il reçoit les messages. Et vous êtes là, vous n'avez rien à faire. La cérémonie s'arrête. Le message est terminé. Le guide spirituel ou la guide spirituelle qui se tient devant vous se voit amener une petite boîte très spéciale par un des autres membres du groupe. Je ne sais pas à quoi ressemble cette boîte. Regardez-la bien. Quelle est sa forme, sa couleur, sa texture? Est-ce qu'il y a des inscriptions dessus? Elle place la feuille et le message dans cette boîte. Et elle avance vers vous, avec ce message sacré, cette boîte qui le protège. Vous inspirez profondément, et vous pouvez vous visualiser en train de vous asseoir. Vous pouvez tendre vos mains pour accueillir cette boîte qu'elle vous donne ou qu'il vous donne. Ressentir l'immense gratitude dans votre cœur et dans tout votre corps, lorsque vous avez cette boîte entre vos mains. Peut-être que vous pouvez ressentir votre cœur qui palpite, qui vibre, tellement vous êtes impatient, impatiente de lire ce message. Vous ouvrez la boîte, et vous tombez sur ce papier plié, juste là. Ou enroulé, je ne sais pas. Il y a l'initiale ou le prénom de la personne concernée qui vous a envoyé ce message de votre autre sur le devant du papier. Quelle est cette lettre? Quel est ce prénom? Est-ce que vous le connaissez déjà? Est-ce qu'au contraire, ce prénom est inconnu? Enregistrez bien ce prénom. Peut-être que c'est plusieurs lettres et que les lettres sont mélangées, mais plus tard, vous pourrez mettre en forme le prénom. Je suis sûre que cela a du sens pour vous. Votre âme a toutes les réponses. Puis, face à ce peuple sacré, à ceux ou cette guide qui vous offre ce cadeau, ouvrez le papier, ouvrez cette lettre et ligne par ligne, entendez les mots, lisez les mots. Certains vont voir juste un mot, d'autres une phrase, d'autres un vrai texte avec un vrai message. Lisez-le attentivement. Lisez ces mots que vous rêveriez de recevoir, qui font vibrer votre cœur de tout votre être. Et écoutez ce message tellement important que vous devez entendre aujourd'hui. Prenez le temps qu'il vous faut.
laisser résonner ce message en vous. Il n'a rien à comprendre. Laissez le message infuser à l'intérieur de vous. C'est fait. Prenez cette boîte, remettez le message dedans et mettez-le quelque part sur vous. Certains vont le mettre dans votre cœur, dans le cœur, d'autres dans une poche. Peu importe, vous allez repartir avec. Le peuple a un message pour vous et la grande prêtresse ou le guide spirituel va vous dire un dernier mot avant de partir. Sur ces mots, vous pourrez quitter ce lieu et tout deviendra flou, tout s'évaporera. Nous sommes avec toi. Tu es un être extraordinaire. Souviens-toi d'où tu viens. Transporte notre force avec toi. Nous t'aimons profondément. Vous pouvez sentir cette aspiration par le haut, par le bas. Comme un tourbillon, le décor s'évapore. Tout disparaît et vous revenez dans cette pièce, dans l'ici et le maintenant. Et vous n'avez rien à faire, juste prendre conscience de votre corps, respirez profondément. Revenir dans cet espace, ici, avec moi, dans l'ici, le maintenant. Revenir avec cette puissance et cette force, ce soutien qui vous enveloppe, et cette confiance en vous, cet amour qui vibre en vous. Gardez ce message, et lorsque vous serez réveillé, vous pourrez l'écrire quelque part sur un papier, le ranger dans une petite boîte, un endroit sacré, pour vous souvenir de ce message et y revenir quand vous en aurez besoin. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous reviendrez totalement ici et maintenant. 1. Vous respirez profondément. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, frotter vos mains, ressentir la chaleur dans votre corps et ma voix qui devient de plus en plus forte. 2. Revenir ici maintenant, ouvrir les yeux. Conservez uniquement ce qui est positif pour vous et remerciez tous ceux que vous désirez vous remercier. Vous remerciez vous-même pour ce voyage authentique, d'avoir pris ce temps pour vous et pour l'être extraordinaire que vous êtes. 3. Prenez un engagement après cette séance. Un engagement simple, quelque chose que vous allez faire, vous engager à faire, une action, envoyer un message, quoi que ce soit. À votre tour, partagez votre message, transmettez. Diffusez. Vous n'avez plus rien à faire. Buvez un verre d'eau, respirez l'air extérieur pour revenir ici maintenant. Et vous pouvez repartir à votre journée ou repartir vous coucher tranquillement. Je vous souhaite une merveilleuse nuit, une fantastique journée, tout le bonheur du monde. Et pour continuer le voyage avec moi, découvrir mon univers, rendez-vous sur mon site internet stéphaniedordain.com pour découvrir mes livres ou mes coffrets qui vous accompagnent sur plusieurs jours pour une guérison et une libération profonde. Je vous souhaite une très douce nuit et plein de bonheur. À très vite.